Oh, mais oui, mais c'est bon en fait, c'est... Oh, c'est très... C'est très fort! À toi, Rocky. Ah. Tu dois deviner une plante. Une plante jaune. Oh, une plante jaune. Oh, je sais pas. La banane, c'est un fruit, donc ça marche pas. Il y a des épis et on mange les graines. Oh, ça y est, je sais! Le maïs! C'est ça, le maïs. Bien joué, Rocky. J'adore le maïs. Et puis le jaune, c'est juste trop beau. C'est la couleur des frites. Oh, miam. Non, allez, à ton tour, Lily. Attention, un légume qui pique. Qui pique? Non, je vois pas. C'est trop facile pourtant. Les courgettes. Les courgettes. Ça pique les courgettes? Bah ouais. T'es sûr de ça, Rocky? Oui, enfin, Lily. Avec plein de sauce samouraï dessus pour cacher le goût, je peux te dire que ça pique. Et puis c'est valable aussi pour les épinards, le céleri, les brocolis, les aubergines. Et puis aussi. Ah, ok, ok, je vois. Il y a aussi les artichauts, la betterave, le chou, les haricots. Tu sais quoi, Rocky? Les petits pois. Tu continueras ta liste de légumes qui piquent après. Parce que là, c'est l'heure du colis mystère. Oh, trop cool. Oh là là. Mais t'as vu, mais c'est quoi ce colis là? Il y a carrément des têtes de mort, ça fait trop peur. Oui, c'est bizarre. Mais bon, on va regarder l'indice. Ok, allez, vas-y, regarde. Alors, attention, ça peut brûler. Oh, carrément, brûler. Mais c'est quoi ce truc? C'est un mini-volcan ou quoi? Ou juste des bougies. Ou alors ce sont des épices. Mais oui, des fois j'abuse un peu avec la sauce samouraï et ça me brûle la langue. Mais oui, des épices. C'est trop une bonne idée ça, Rocky. Bon, et vous les amigos, vous pensez qu'on a reçu quoi aujourd'hui dans le colis mystère? Un mini volcan, des bougies ou des épices? Bon, allez Lily, on regarde ce que c'est, mais fais attention en l'ouvrant, hein, on sait jamais. T'inquiète Rocky, allez tous ensemble les amigos. 3, 2, 1, on l'ouvre. Alors Lily, j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a dans ce colis. Et les amigos aussi. D'ailleurs, restez bien avec nous jusqu'au bout pour découvrir l'amigo du jour. Ce sera peut-être toi aujourd'hui. Ce serait carrément trop cool, non? Regarde ça, Rocky. Il y a plusieurs petits pots. Et t'avais raison, ce sont des épices. Yes! Oh, mais je suis tellement fan des épices. On va se régaler, Lily, avec tout ça. Yes, on va quand même faire attention, Rocky. Parce que tu sais, les épices, c'est super bon, hein. Mais ça peut aussi piquer, hein, Loli? Oui, tout dépend de l'épice. Il y en a des très douces et des très très fortes. Ah, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a les petits pictos sur les pots. Zéro flamme, c'est tout doux. Une flamme, c'est moyen. Et puis deux flammes, ben c'est méga giga fort. Allez, il faut qu'on teste, Lily. Avant, je crois que Loli a 2-3 infos super importantes. Ouais? Oui. Ou plutôt des questions. Vas-y, Loli, je suis grave un expert en épices, moi. Est-ce que tu sais d'où viennent les épices? Ah, moi je sais. À la base, ça vient des plantes. Exact. Les épices viennent de différentes parties des plantes. De l'écorce, par exemple, comme la cannelle. Ah oui, je connais ça, la cannelle. C'est ce qu'il y a dans les spéculoses. Trop bon, les spéculoses. Tu as raison, Rocky. Sinon, d'autres épices proviennent de la graine de la plante comme la moutarde ou du fruit de la plante comme le poivre. Merci les plantes! C'est clair! Merci les plantes! Elles nous donnent plein d'épices! Hein, quoi? Pain d'épices? Eh, où est-ce qu'il est le pain d'épices? Pain d'épices? Mais... Il est où le pain d'épices? Amenez-moi le pain d'épices! Non, Rocky! Vas-y, Lily, donne-le-moi, quoi! Et je disais plein d'épices, pas pain d'épices! Oh, dommage! N'empêche que dans le pain d'épices, il y a plein d'épices! C'est un gâteau au miel avec des épices comme le gingembre ou la cannelle! Oh, je connais tellement bien et j'adore! Bon, allez, ça m'a donné juste trop faim tout ça! On ouvre les petits pots, Lily! Yes, carrément! Il y a un super jeu à faire chez vous, les amigos! Vous vous bandez les yeux et rien qu'avec l'odeur, vous devez deviner de quelle épice il s'agit! Super idée! Vas-y, ferme les yeux, à toi de deviner, Rocky! Oh, trop cool! Ouais, je reconnais l'odeur, c'est de la vanille, comme de la glace vanille, quoi. Mais attends, c'est pas une épice, ça? Gagné, Rocky. Si, la vanille est une épice douce, comme le curcuma. D'ailleurs, j'adore mettre du curcuma dans mes petits plats. Tu sais, c'est orange, et on l'utilise par exemple pour les recettes au curry. Mais oui, j'adore cette petite poudre orange. En plus, ça aide à bien digérer, je crois. Beaucoup d'épices sont très bonnes pour la santé, si on n'en abuse pas. J'avoue, des fois, je mets un peu trop de sauce samouraï et mon petit ventre est pas content. Bon, allez, fais-moi sentir le deuxième pot, Lily. Ah bah, justement, on en parlait. Ah ouais?
Oh, mais c'est super easy, c'est de la sauce samouraï. Alors là, les amigos, je peux tout vous dire, même pas besoin de goûter. La sauce samouraï, c'est fait avec de la mayo, du ketchup et des épices. Soit de la harissa, c'est un piment de Tunisie juste trop bon. Ou alors du sambal oulek, du piment d'Indonésie. Trop, trop bon aussi. Waouh, Rocky, t'es carrément le boss de la sauce samouraï. Oh. Un vrai expert, je suis trop impressionnée. Mais attention, il reste le dernier petit pot. Oh, ah oui, c'est vrai. Ok, je suis prêt. Ben, je sens rien. Oh. Attends, Rocky. Hein? Le dernier pot va attendre un peu. Il y a plusieurs gens. Ah bon? Un amigo a besoin de ton aide, Rocky. Oh, what? Mais dis-moi tout, Lily, qu'est-ce qui se passe? C'est Moussa qui demande si tu peux venir l'aider dans son école. Aujourd'hui, au menu de la cantine, c'est gratin de brocoli. Oh non! Pas le gratin de brocoli, c'est pas possible! J'y vais direct, Lily. Moussa, t'inquiète pas. Rocky, le king des épices, va venir te sauver, toi et tous les autres amigos. Vous allez voir ce qu'on va faire avec ce gratinos. Ha ha! Ça va être grave! Yeeha! Mission gratin de brocoli! Rocky débarque dans la cantine! Hop! Ok, on est arrivé à l'école de Moussa pour la mission gratinos. Vous en faites pas, les élèves. Rocky est là pour vous sauver. Alors, je dois m'infiltrer dans la cuisine. Oh, c'est peut-être par là. Allez. Et on dirait bien un endroit à cantine là-bas en bas. Oh, yes, ça y est, j'y suis. Oh, c'est trop bizarre quand ils vivent comme ça, vous trouvez pas? Bon, c'est bon, ça sent pas encore le brocoli, je crois qu'on est arrivé à temps. Et la cuisine, elle a l'air d'être par là. Oh, j'ai toujours rêvé d'aller voir derrière les comptoirs, pas vous les amigos. Alors, hop, gratinos, où es-tu? Oh, c'est immense, vous avez vu ça? Gratinos, gratinos, oh, ça y est, je crois que c'est ça. C'est le mélange avant qu'il soit versé dans le plat à gratin. Bon, où sont les épices? Oh, elles sont juste là. Parfait. Grâce à tout ce que j'ai appris avec Lily, je vais transformer le goût du brocoli avec mes épices en mode magique. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Curcuma, curry, paprika... Bon, en vrai, j'ai pas le temps, c'est bientôt la pause. Je vais mettre un peu de tout. Coriandre, j'ai jamais entendu parler, mais ça doit pas être mauvais. Curry, très bien. Hop, curcuma moulu, ouais, j'en mets, pouf. Paprika, oh oui, c'est mon goût de chips préféré, ça va être trop bon ça. Hop, plein de paprika. Oups, j'ai un peu débordé. De l'ail, bien sûr. Du thym. Hop, voilà. On dirait que je fais une potion magique. Et maintenant, l'ingrédient secret. Hop. Un gros sprout de sauce samouraï. Et oui, les amigos, ça c'est juste la base. ça sent trop bon. Oh, oh non, ça y est, il y a quelqu'un qui arrive. Bon, mission accomplie. Vite, au studio. Ah, Rocky, c'est trop cool ce que t'as fait à la cantine de l'école. T'as grave assuré. Les amigos vont se régaler. Ouais, grave. Mais dis, Lily, c'est quoi tout ça, là? Tu m'as préparé un petit goûter? Trop cool. J'avoue que ça m'a donné faim de me balader dans une grande cuisine comme ça. Non, c'est pas exactement ça. En fait, le lait, la chantilly et le pain, ça calme la sensation de brûlure sur la langue. Du coup, c'est idéal quand on mange une épice un peu trop fort. Ah, d'accord, c'est pour le dernier petit pot. Mais t'inquiète pas, Lily, moi, les épices, je gère, même les méga fortes. Ah oui, même ça, c'est un piment. Tiens, ouais. Goûte. Oh, le piment a touché ma bouche. Ah, oh. Oh, bah oui, mais c'est bon, en fait, c'est... Oh, c'est très, très... C'est très fort. Oh, j'ai la bouche en feu, Lily. Rocky, tiens, prends de la chantilly, ça va te soulager. Oh oui, t'as raison. Et vous, les amigos, vous aimez les épices? Dites-nous lesquelles vous préférez. Ce que vous aimez mettre dans vos petits plats. Racontez-nous tout ça sur WhatsApp ou en commentaire sur YouTube. Et envoyez-nous plein de dessins. Et vous serez peut-être notre amigo du jour comme... Amar, par exemple. Bravo, Amar. Il est trop bien fait, le studio de C'est dans la boîte. Et t'as même pensé à la gaufrette de Rocky. Ça va mieux, Rocky? Ah ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai mangé toute la chantilly. Ça pique un peu moins. Je suis ready. Ready pour... La Corée de Rocky et Lily.
petite gaufre était un peu trop épicée. Du coup, chantilly. Et les céréales aussi, ils étaient un peu trop épicées. Du coup, chantilly. Et d'ailleurs, les amigos, si vous trouvez que votre vie est un peu trop épicée, eh bien, chantilly.